Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous parler du projet qu'on a créé, moi et Johnny34. Donc un projet qu'on essaye de mettre en place, qui est très difficile à mettre en place car c'est très difficile parce qu'il faut gérer un peu tout ça. Donc voilà. Alors on a fait déjà un test hier, ça fonctionnait plutôt pas mal, jusqu'à un moment où ça a un peu dérapé parce que on a mélangé les personnes qui sautent, donc les personnes qui ont des strike packs et qui sautent pour faire des clés facilement sans rien faire, hein, donc en dormant on fait des clés. Donc ces personnes là, nous on était là, donc on était 4. Puis après on a invité des profiteurs, hein, c'est comme ça que voilà, il y a les sauteurs et les profiteurs. Donc les profiteurs après ils étaient un peu plus nombreux, enfin voilà, on a mélangé un peu tout ça et c'était le bordel. Donc là je vais m'adresser à deux personnes, deux sortes de personnes. Donc il y a les personnes qui sont des sauteurs, donc qui ont des strike packs et qui ont rien à foutre de leurs statistiques, qui ont juste pour objectif de gagner plus de clés plus rapidement et plus facilement. Et il y a les genres de personnes, donc les autres personnes, qui sont les profiteurs, donc qui eux ne feront pas, ne sauteront pas dans une partie et qui ne se feront pas tuer voilà, eux ils ne voudront pas niquer leur ratio, donc eux ils vont juste profiter. Donc voilà, on a remarqué que hier en mélangeant les deux ça ne fonctionnait pas, c'était le bordel, il y avait plus de problèmes qu'autre chose. Donc il faut savoir que nous profiteurs, donc là je parle de deux sortes de personnes. Donc en première partie de vidéo je vais parler des premières personnes qui sont les sauteurs, et deuxième partie de la vidéo je parlerai des profiteurs. Donc il faut savoir que les sauteurs sont des personnes comme moi, comme Johnny34, comme Valentin et comme plein d'autres, sont des personnes qui lancent des parties vocales. Donc là je parle aux sauteurs, hein, qui lancent des parties publiques, donc qui sautent dans des parties publiques et qui se font tuer en illimité, mais au moins ils gagnent des clés de cryptage. Donc ça c'est les sauteurs, les profiteurs, c'est autre chose, ce sera à la fin de la vidéo, donc regardez la vidéo si vous voulez, ou alors passez directement à la fin. Donc pour les sauteurs, à la place de sauter tout seul dans une partie, essayez de, donc moi c'est ça que j'essaie de mettre en place avec Johnny, c'est qu'on va essayer de se réunir tous ensemble. Donc j'ai créé une partie, une communauté privée qui s'appelle Sois Cool Mec Pack uniquement, Strike Pack uniquement. Donc je vais vous mettre l'image à l'écran. Voilà. Donc cette communauté elle est vraiment exclusivement pour ceux qui sont des sauteurs, pas des profiteurs. Donc ça sert à rien d'essayer de rejoindre, on va être plusieurs modérateurs, et si les profiteurs essayent de rejoindre la communauté sans partager une seule fois, ça sera et on vous supprimera et ce sera définitif, parce que après quand on vous exclut quelque chose vous ne pouvez plus revenir. Donc voilà, alors faites bien attention de ne pas déconner non plus, parce qu'après on peut vous bannir et jamais vous pourrez profiter si vous êtes des profiteurs, donc faites attention. Enfin bref, donc quel est l'avantage pour les sauteurs? En fait l'avantage c'est que nous par nuit on fait environ, donc en 10h, 12h, on fait environ 200 clés de cryptage par nuit, donc sans rien faire en sautant dans une partie solo. Donc en fait le but c'est de réunir 6 personnes qui ont des strike packs, genre par exemple on est 6 personnes à avoir un strike pack, moi je vais dormir à genre minuit et demi, lui va dormir à 1h, lui va dormir à 1h30, et ben on se rejoint et on se met dans Glitch, donc dans une session, on se crée une session sur Call of Duty W ou sur Black Ops 3. Et on va aller sauter à 6 en multi. Donc quel est l'avantage de ça? C'est que on sera 6 sauteurs et il y aura 6 personnes en face des ennemis. Donc nous on doit pas se prendre la tête à inviter les profiteurs, parce que les profiteurs on s'en fout, nous on est des sauteurs. Nous on va créer une partie, une session, on a comme objectif que la session se termine, la partie se termine le plus vite. Que ce soit des profiteurs qu'on connaît ou des étrangers, donc en public, ça change rien. Pour nous, on va quand même se faire tuer plus rapidement et les parties se finiront plus vite. Donc on va gagner le double de clés, parce que si on est tout seul dans une partie, souvent les parties elles durent 10 minutes parce que on est tout seul à sauter et les parties, c'est assez serré. Donc les parties durent 10 minutes. Donc vous gagnez qu'une seule clé en 10 minutes. Que là, on va pouvoir gagner une clé en 2 minutes 30 carrément si on est 6 sauteurs, parce que en face, les gens vont commencer à tuer tout le monde.
Ils vont commencer à tuer tout le monde super rapidement. Donc la partie durera moins de 5 minutes, même parfois moins de 2 minutes 30. C'est vraiment hallucinant. Donc après moi je m'en bats les couilles que le type il me tue 100 fois et qu'il fasse une nucléaire sur ma tête, qu'il fasse des camouflages, son contrat, son pot de vin, j'en ai rien à foutre moi de tout ça. Moi ce que je veux c'est un maximum de clés plus rapidement. Mais hier on l'a essayé et ça n'a pas fonctionné en mélangeant profiteur et sauteur. Donc j'ai créé une communauté privée que je vous remets la press screen à l'image. C'est une communauté qui en fait se réunira, donc tous les strike packs, si on arrive à tous se réunir, ça fonctionnera du tonnerre. Donc on sera toujours des groupes de 4 ou de 5 ou de 6 et on fera deux fois plus de clés en se rejoignant comme ça. Donc nous, donc il faut que vous retenez les sauteurs, hein, je parle bien à vous, il faut que vous retenez qu'on va pouvoir faire deux fois plus de clés parce qu'on va créer des salons privés. Parce qu'au final, après, ce sera des salons privés que nous-mêmes, on sera l'hôte de la partie. Voilà, c'est ça. On sera l'hôte de la partie. Donc, il n'y aura plus trop de déconnexions. Les parties iront plus vite. Donc, c'est vraiment 100% bénéf pour nous. Après, nous, on ne doit pas se prendre la tête à inviter des profiteurs. Nous, on essaie de trouver une partie. Les profiteurs, j'en reviens à la fin. Les profiteurs vont devoir essayer de nous rejoindre. C'est pas à nous. Nous, on a comme objectif de gagner des clés. On a pour objectif de gagner des clés, pas de donner notre cul. Donc, on n'est pas là à chercher des joueurs pour que les joueurs nous défoncent. Non, on est là pour nous gagner des clés plus rapidement. Après, c'est aux profiteurs de se démerder, de nous rejoindre, nous. Donc, c'est pour ça que j'ai créé deux communautés. Une communauté Black Ops 3 que je vais vous mettre à l'écran. Donc, attendez. Voilà, une communauté Black Ops 3 que j'ai appelée soit Cool Mec, Boost, Contrat, Ratio, Défi, Call of Duty, Black Ops 3. Et j'ai fait la même pour IW. Donc, voilà, ça, c'est des communautés créées pour les profiteurs, ok? Donc j'espère que les profiteurs regarderont quand même toute la vidéo parce que sinon ils vont peut-être pas tout comprendre. Donc en fait pour les profiteurs, il y a des sessions, des jeux en cours. Donc on voit qu'il y a des jeux en cours, donc des parties de session de 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 12, 2 sur 12, etc. Donc en fait nous, quand on va créer notre partie dans notre groupe privé, donc si on est sur du IW, moi personnellement, je suis dans les deux communautés. Donc les sauteurs, c'est bien aussi de vous mettre dans les deux communautés, dans toutes les communautés que j'ai créées. Donc il y en a trois au final. Donc mettez-vous dans la communauté publique et dans la communauté privée si vous êtes des sauteurs. Parce que comme ça, les gens vont pouvoir vous rejoindre. Parce que si on se met à 6 dans un groupe, si on fait un groupe de 6 sauteurs, après c'est possible qu'on ait du mal à trouver des adversaires. On trouvera bien, mais on aura du mal. Donc à ce moment-là, ce qui est bien, c'est d'écrire un petit message sur la communauté, si on fait du IW, dire dans la communauté publique de Boost pour tout le monde, dire qu'il y a de la place disponible dans notre serveur, parce qu'on a... En fait, le but, c'est qu'on crée un serveur et que, au mieux de donner notre cul, hein, parce que nous, on va rien faire pendant la nuit, on va être AFK, on va pas jouer, donc on va rien faire, on va juste sauter. Donc au mieux de donner notre cul à des gens qu'on connaît pas, c'est toujours mieux de le partager dans des communautés comme la communauté que j'ai créée pour Boost Contrat, Défi, Ratio, etc. sur Call of Duty IW ou Black Ops 3. Donc si vous rejoignez les deux, les trois communautés, l'avantage c'est que quand on va créer une partie, donc un groupe sur Call of Duty IW avec une partie vocale en privé sur la communauté privée, en fait l'avantage, ce qui va se passer, c'est qu'elle sera notre partie, rien que notre partie de jeu, donc notre partie de session de jeu sera visible sur Call of Duty IW, donc le Boost Contrat Ratio Défi sur Call of Duty IW ou sur Call of Duty Black Ops 3. Donc notre partie apparaîtra sur la communauté dans jeu en cours. Donc comme je vous l'ai montré sur IW, comme je vous ai laissé les images normalement. Donc voilà, alors les personnes qui profitent vont devoir eux rejoindre via ces jeux en cours. Donc c'est, si on trouve pas de joueurs, on va les inviter. Sinon, vous allez devoir... Ça va être galère pour les profiteurs. Mais je vous assure que si vous tombez sur un groupe de 6 sauteurs, vous allez être bénéf à 3 millions de pourcents. C'est vraiment de la tuerie. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont déjà vécu cette expérience. Ils se sont fait plaisir à mort. Mais le problème, c'est qu'il va falloir nous rejoindre. C'est pas à nous
de vous inviter. C'est pas à nous de vous prendre la main et de vous dire venez, on va venez nous tuer. Non, ça on s'en fout. Parce que ce soit vous, les Français qu'on connaisse, ou alors les Anglais ou les Américains ou les autres étrangers qu'on connaît pas, ces gens-là aussi vont faire des nuques sur notre gueule. Ces gens-là aussi vont faire des camouflages. Donc nous, on va essayer de vous faire profiter. On va essayer, je dis bien. Donc les sauteurs vont essayer de faire profiter les profiteurs. Mais c'est pas à nous de faire le taf, quoi. C'est à vous aussi d'essayer de nous rejoindre. Et quand vous êtes dans la partie, ben là, vous restez là et vous jouez autant d'heures que vous voulez. Vous profitez autant d'heures que vous voulez. Que si on commence à quitter les sessions, puis retrouver... En fait, nous, quand on crée un serveur, le serveur, il est créé, il tournera quoi qu'il arrive, il tournera tout le temps. Donc si on doit quitter à chaque fois pour parce qu'il y a un type qui n'a pas les cartes ou parce que ça va être le bordel, ça va prendre trop de temps. Nous, notre objectif pour les sauteurs, c'est de sauter et de gagner plus de clés. C'est pas de vous faire profiter Enfin, nous, on veut bien vous faire profiter, mais on va pas perdre notre temps à chercher à créer 6 contre 6. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment... créer 6 sauteurs, des groupes de 6 sauteurs, et quand on sera les groupes de 6 sauteurs, ben après on vous invitera, on fera un message dans la communauté, donc on écrira dans sur le mur de la communauté, par exemple de IW ou de Black Ops, donc on écrira un petit message disant ben voilà qu'on est un groupe de 6 sauteurs et que si vous voulez, vous pouvez essayer de nous rejoindre. Je dis bien essayer, on va vous inviter si vous êtes dans notre liste d'amis, on vous invitera, c'est sûr. Mais on va pas commencer à faire un bac tchic-tchac parce que vous n'arrivez pas à rejoindre. On fait pas de bac, on reste dans la partie. Nous, on est dans une partie qui roule. Eh bien, on va la laisser tourner toute la nuit. On n'est pas là. Enfin, vous êtes. Les profiteurs, vous êtes. Normalement, vous devriez faire un groupe de 6 entre vous, en fait. 6 profiteurs, comme ça, vous savez communiquer. Si maintenant, par exemple, on est 5 sauteurs et que vous êtes 7 profiteurs, eh bien, il y aura toujours un profiteur qui se retrouvera dans notre équipe. C'est normal. Donc la règle principale quand ça arrive, ce genre de choses, il faut que celui qui est dans notre équipe s'allonge. Si le type il est allongé, eh ben c'est à vous de ne pas le tuer, profiteur. Donc il faut que vous fassiez un salon, donc un chat audio entre profiteurs. Et les profiteurs, ben, faites un peu régler la loi, même si ça va être difficile pour vous. Mais voilà, essayez de dire aux gens de ne pas tuer ceux qui sont couchés. Ou voilà, essayez de vous rejoindre, voilà, comme ça, en groupe de 6. Parce que si nous, on a un groupe de 6 et que vous cherchez un groupe de 6, tu vois, vous êtes 6 dans un groupe et que vous recherchez le groupe de 6, eh ben c'est possible qu'on se rejoigne tous ensemble, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'essaye d'expliquer un maximum, mais voilà, c'est assez chaud. Donc voilà, j'avais dit au début de vidéo qu'il y avait la vidéo serait en 2 parties, mais les 2 parties sont un peu mélangées. Donc essayez de regarder toute la vidéo, que ce soit profiteur ou sauteur. Donc là, je vais expliquer en mettant des images un peu plus. Donc ce que je vais faire, c'est que première chose, hein, pour rejoindre, donc là je vais parler aux sauteurs, pas aux profiteurs, je parle aux sauteurs. Donc les sauteurs, première chose qu'il va falloir faire, c'est absolument rejoindre la communauté que j'ai créée. Donc vous allez sur votre PlayStation, vous allez dans communauté, après vous allez dans recherche de communauté, vous tapez soit cool mec, donc vous tapez simplement soit cool mec, hein, ça sera suffisant pour trouver la communauté. Voilà, après vous faites rechercher et normalement il y a 7 communautés trouvées. Dans les 7 communautés trouvées, ce sera la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera la 6e communauté qu'il faudra rejoindre. Les gens qui ont des strike packs, de toute façon, on va vérifier si c'est bien le cas, si vous êtes bien des sauteurs. Donc ça ne sert à rien de rejoindre cette communauté si vous n'êtes pas des sauteurs. Donc là, je parle des sauteurs, ok. On reparlera après des profiteurs, qu'est-ce que vous devriez faire. Je mettrai des images un peu plus. Alors, quand vous êtes... pour les sauteurs, quand vous êtes dans la communauté, vous faites rejoindre la communauté. Donc le principe, quand par exemple ben, moi je vais aller dormir, donc qu'est-ce que je vais faire quand je vais dormir? Je vais écrire un message sur le mur de la communauté. Je vais écrire que voilà, je vais lancer une session de boost de clés, donc je vais sauter dans des parties. Donc à ce moment-là, je vais écrire le message, puis je vais créer une partie vocale. Voilà, la partie vocale, vous créez la partie vocale et vous allez mettre comme pseudo. Enfin, comme nom de partie, vous allez mettre
sauteur strike pack uniquement, ok. Donc là, comme je vous montre, des images à l'écran. Alors ensuite, vous allez dans la partie vocale. Et si vous êtes tout seul, vous allez bloquer votre nombre de joueurs à 2. Pourquoi ? Parce que la partie vocale que vous allez créer sur via la communauté n'est pas privée. Donc tout le monde peut la rejoindre. Donc les profiteurs vont, si par exemple moi je suis dans une partie vocale, obligé, les profiteurs vont essayer de venir pour me parler ou quoi. Donc bloquer la partie vocale à 2 si vous êtes tout seul. Vous bloquez la partie vocale à 3 si vous êtes à 2. Vous bloquez la partie vocale à 4 si vous êtes à 3. Jusqu'à temps que vous soyez 6 auteurs. Dès que vous êtes 6 auteurs, vous bloquez la conversation à 6. Ok. Pourquoi faire ça? Bah pour en fait en sorte de faire un tri en fait. Vous allez faire un tri, comme ça chaque personne, ils vont pas pouvoir arriver deux par deux, ils vont devoir arriver une par une. Donc chaque personne arrivera une par une. Et là c'est à vous de, donc moi souvent je vais le faire, mais si moi, je suis pas là, vous pouvez le faire aussi. C'est à vous de gérer la conversation vocale, genre en ajoutant à chaque fois une place disponible et en demandant à la personne qui rejoint si elle a un strike pack, si elle est venue pour sauter ou si elle est venue pour profiter. Donc vous, l'objectif là c'est de sauter, donc vous cherchez des sauteurs. Donc si la personne vous dit qu'il saute, vous l'acceptez et vous augmentez le nombre, le groupe de une personne, de un joueur. Si c'est un profiteur, vous lui dites que voilà, la partie vocale, il est bien marqué en titre sauteur strike pack uniquement, mettez bien le titre sauteur strike pack uniquement et rajoutez Black Ops 3 ou IW à la fin pour bien savoir de si vous sautez sur Black Ops 3 ou IW. Mais si c'est un profiteur, vous lui dites bien que la communauté, la partie vocale, elle est créée pour les sauteurs et pas pour les profiteurs, donc qui partent quoi. S'il veut pas partir, s'il veut pas vous écouter, ben vous l'excluez. Et en fait, si vous l'excluez, eh ben, il va plus jamais pouvoir rejoindre cette partie vocale. Donc après, vous serez tranquille de cette personne. Après, vous pouvez carrément le bloquer si vous faites vraiment chier. Donc voilà, ça c'est pour les sauteurs. Donc quand vous avez, quand vous êtes en groupe de 6, donc c'est là que je vais vous demander si vous êtes dans un groupe de 4. À partir de 4, les parties publiques sont assez chaudes à trouver. Donc je vous invite. Donc même si vous êtes 3 ou 4, je vous invite d'aller dans la communauté, donc je parle bien des sauteurs. Si vous êtes un groupe de 3 ou 4, je vous invite à aller dans la communauté que j'ai créée, donc Boost Contrat Défi Ratio Call of Duty IW ou Boost Contrat Défi Ratio Call of Duty Black Ops 3. Si vous faites sur du Black Ops 3, je vous invite à écrire un message sur la communauté de cette communauté, donc pour dire que vous êtes un groupe de 6 et que vous cherchez des joueurs pour faire une session complète et que ça tourne toute la nuit. Donc ça c'est après c'est à vous de voir si vous voulez vraiment vous prendre la tête. Bon, moi je vous incite à le faire parce que comme ça ça fait vivre les communautés, ça fait un bon partage, donc c'est quand même mieux d'essayer de faire ça comme ça. Mais après si vous voulez pas le faire, c'est à vous de voir. Mais bon, moi je vais essayer de le faire à chaque fois. Donc si on a un groupe de 6, je mettrai un message sur le mur de la communauté, par exemple de IW. Je mettrai un message genre voilà, on est un groupe de 6, il nous faudrait 6 profiteurs. Moi je vais être clash comme ça et les gens vont essayer de rejoindre s'il y a de la place, ou s'ils voient qu'on est un groupe de 6, normalement les profiteurs vont devoir essayer de rejoindre. S'ils veulent pas rejoindre, c'est pas grave, on trouvera en public, c'est pas un problème. Il faudra juste attendre un petit peu plus que la première partie se lance. On va peut-être falloir faire un ou deux bacs pendant que la première partie se lance quand on est un groupe de 6, parce que c'est un peu plus difficile de trouver un serveur. Mais dès qu'on aura trouvé le serveur et qu'on aura créé le serveur, et bien là, la partie, si on a un groupe de 6, elle se lancera automatiquement. Tout le temps, même si on est 6 contre 4, ça se lancera. C'est juste la première partie qui est difficile. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de faire des bacs tout le temps pour inviter les profiteurs à profiter de ça. C'est à vous, les profiteurs, de vous démerder pour nous rejoindre. Donc voilà, et soyez au taquet. Quand on vous envoie un message sur la communauté, soyez au taquet, essayez de rejoindre au taquet. Insistez, les profiteurs, insistez à rejoindre parce que voilà, de toute façon, vous allez dans liste d'amis, vous allez via jeu en cours. Voilà, c'est en fait ce qu'il faut que vous disiez, c'est que nous on fait des serveurs de boost, les profiteurs. Donc les profiteurs, vous devez rejoindre, essayer un maximum de rejoindre
ce serveur de boost parce que vous serez 100% bénéf. Mais après, si vous n'y arrivez pas, nous, on va pas faire un bug pour vous inviter et tout. Vous imaginez que déjà, on est bien gentil de vous mettre un message, de vous inviter. On va pas perdre notre temps non plus pour vous. Nous, notre objectif, c'est de faire des clés, pas de vous faire profiter. Le profitage pour vous, c'est un extra pour nous, en fait. Vous comprenez, nous, c'est un truc que si on peut vous faire profiter, bah, tant mieux, vous profitez. Mais nous, notre objectif, c'est de gagner des clés. Donc voilà. Donc le problème, c'est qu'on avait, mélangé les deux et ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas parce que trop de profiteurs. Les profiteurs, ils veulent profiter. Et en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que il y a des profiteurs, par exemple. Et moi, je vous insulte pas de profiteurs. Hein, je dis juste, c'est pour distinguer, ok. C'est pour distinguer. J'insulte personne. Sois cool, mec, mon pote. Hein. Donc je dis juste que il y a des profiteurs carrément qui croyaient qu'on pouvait faire des parties, mais en domination. Pourquoi? Pour qu'ils aient plus de temps de faire une nuque. Mais non, c'est faux, c'est hors de question. Nous, on est là pour faire des parties rapides, pour qu'on gagne des clés rapidement. Donc, on va pas se mettre en domination. Il y a même des gens qui m'ont dit, le glitch, il fonctionne plus. Mais non. Parce qu'ils disent ça parce qu'ils étaient trois, on était trois et il y avait six autres personnes dans le jeu. Donc parfois ils se retrouvaient avec nous, parfois ils se retrouvaient en face de nous, mais on avait quand même des autres personnes qu'on connaissait pas dans notre équipe qui les tuaient eux. Donc c'est logique que pour eux ça ne fonctionne plus, mais pour nous ça fonctionne toujours. Nous, on est la base de ce glitch. Nous les sauteurs, on est la base de ce glitch. Sans nous, les profiteurs, il n'y en a pas. Donc c'est ça qu'ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas que nous, on saute, que peu importe s'ils soient là ou pas là, nous, on saute, on va gagner des clés et c'est notre objectif à nous. Eux, c'est à eux, leur objectif, c'est de nous chercher. Donc, je répète pour les profiteurs, regardez quand même toute la vidéo, mais je vous répète un truc, c'est que si vous êtes des profiteurs, vous allez dans Call of Duty Black Ops, vous allez dans votre PlayStation, on va recommencer depuis zéro, vous allez dans Communauté. Voilà. Ensuite, vous allez taper soit cool mec dans la barre de recherche ou dans la recherche de communauté PlayStation 4. Bien sûr, hein, je précise que c'est sur PS4, que je suis sur PS4 et que les communautés étaient créées sur PS4. Donc, vous recherchez soit cool mec. Vous recherchez soit cool mec. Ensuite, vous allez tomber sur cette communauté. Donc, vous, les profiteurs, vous allez rejoindre pas la première, pas la deuxième, pas la troisième, mais la quatrième si c'est pour du IW. Vous rejoignez la quatrième communauté, il est marqué à la fin Call of Duty IW. Si vous êtes pour du Black Ops 3, vous allez rejoindre la communauté Call of Duty Black Ops 3. Donc les communautés s'appellent Soit Cool Mec Boost Contrat Défi Ratio. Le nom va peut-être changer, mais ça restera un truc comme ça. Donc voilà. Donc j'espère. On va aller un peu plus loin. Donc pour les profiteurs, vous allez rejoindre cette communauté. Quand vous recevez une... Ça sert à rien. Donc voilà, je vais vous montrer le message qu'il y a pour l'instant. Ça sert à plus à rien de demander s'il y a des gens Strike Pack ou Chick Chack. Ça sert à rien. Donc disponible, voilà, regardez là, la fouine qui dit disponible sans Strike Pack. Ça sert à rien de dire ça. Ça c'est nul. Ça sert plus à rien parce que le truc c'est que nous, on cherche des gens avec Strike Pack. Si vous dites disponible sans Strike Pack, il y en a des millions, des milliers, des milliers, des milliers. Donc vous, ce que vous devez pas marquer de message sur la communauté. Vous devez pas marquer de message, sauf si vous voulez vous-même sauter avec nous. Ou voilà. Ou quand nous, on écrit un message, par exemple, si moi j'écris maintenant groupe de 6 disponible, rejoignez-nous, essayez de nous rejoindre. Ben là, vous pouvez répondre sur ce message. Et me dire, oui, on a un groupe de 6 aussi, essayez de nous inviter. Donc là, on va peut-être faire un petit effort et essayer de vous inviter. Je dis bien peut-être, hein. Si on n'est pas là, on n'est pas là. S'il nous manque une personne des 6 personnes, que tout le monde n'est pas connecté, on va pas se prendre la tête et risquer de perdre un sauteur, ok. Donc, vous pouvez toujours demander, mais sinon, voilà quoi. Mais votre objectif à vous, c'est que dès que vous voyez le message que je dis, par exemple, bah, groupe de 6 disponible, vous allez aller dans jeu en cours. Et là, dans le jeu en cours, il y aura des sessions. Donc, il y aura ma session, il y aura la session. Donc, vous
donc vous associez, donc il y a des petites images là, vous pouvez carrément aller voir qui est dans la partie vocale. Donc vous allez par exemple, là j'ai une game session, donc attendez, on va descendre un peu plus bas, voilà, j'ai une game session de deux personnes, Call of Duty Infinite Warfare, je veux savoir c'est qui est dans la session, je vais dans le petit, je vais sur les petites photos. Ah non, je peux pas les voir. Ah non, je peux pas les voir. Bah, c'est pas grave, il y a la photo de profil. Vous essayez de rejoindre la session, vous regardez si c'est celle-là. De toute façon, ouais, normalement, je pensais qu'on pouvait voir, mais apparemment, on peut pas voir. Mais bon, voilà. Votre objectif, c'est de nous rejoindre soit via les sessions de jeu en cours, via la partie la communauté, ou soit de nous rejoindre via vos amis. Donc si vous m'avez en ami, vous pouvez me rejoindre via vos amis, votre liste d'amis dans le jeu même. Donc si c'est sur du IW, ben c'est sur de, votre liste amis IW. Et là vous allez pouvoir même voir si je suis en groupe, si je suis en partie, si elle est complète, si elle n'est pas complète. Donc voilà, vous les profiteurs, vous allez devoir être à l'affût en fait. Chercher à nous rejoindre. Et nous, sauteurs, on va chercher à se rejoindre entre nous, mais en communiquant entre nous. Après, les sauteurs, les profiteurs, vous pouvez aussi communiquer entre vous en créant des groupes de chat, ce que je vous conseille de faire, hein. Des groupes de chat de 6 ou 7 personnes. Enfin bref, créez-vous vos propres chats. Nous, on crée nos propres chats. Parce que nous, on rage pas, nous on va pas casser les couilles sur notre ratio, nous on va pas commencer à gueuler dans tous les sens, à se disputer, à s'insulter. Nous on est un groupe de sauteurs qui est peace and love en fait, parce que nous on en a tellement rien à foutre. Nous ce qu'on veut c'est pas se prendre la tête, nous ce qu'on veut c'est gagner des clés, cryptage, profiter des failles du système et sans commencer à rager. Si nous on fait pas attention à notre ratio, c'est parce qu'on n'est pas des rageux. Si vous faites attention à votre ratio, c'est parce que vous êtes des rageux. Donc voilà, je dis pas tout ce que vous êtes des rageux. Je fais une généralité parce que c'est le cas. J'ai créé une partie vocale avec que des strike packs. Ça a fonctionné du tonnerre. C'était calme, c'était peace and love. On communiquait entre nous tranquillement. Il n'y avait pas trop de bruit. Après, quand on a invité des personnes avec sans strike pack, c'était... ouais putain, me tuez pas, vas-y tu m'as tué, j'ai niqué mon ratio, espèce d'enculé, je vais te défoncer, voilà quoi, tu vois, donne-moi ton adresse, je vais venir chez toi, je vais te tuer quoi, tu vois, c'est des trucs qui, moi ça m'a fait chier, tu vois, moi personnellement, voilà, je suis resté dans la conversation vocale, j'ai écouté un peu comment ça se passait, donc voilà, j'en ai tiré des leçons. Donc si franchement moi je vous le dis, hein, si ça fonctionne pas, là on va dire que je perds vraiment mon temps à faire tout ça bien, à mettre tout ça bien en place. Et si ça ne fonctionne pas, je vais tout laisser tomber. Et voilà, c'est tout. Je ne vais pas me prendre la tête. Moi, je vais continuer à sauter ben, en communauté restreinte. Genre avec moi, Johnny, Valentin, Clushby, enfin Stéphane. Enfin, toutes ces personnes-là. Trash Dead, enfin voilà, tous les gens qui ont des strike packs, on va sauter dans notre coin et on vous invitera plus parce que vous foutez la merde. Et, ou alors on va bien remarquer que ça fonctionne pas, et si ça fonctionne pas, bah tant pis, on va tout laisser tomber. Donc voilà, après ça avoue un peu de faire bien les choses. Nous on peut pas faire ça tout seul. Donc nous on va juste se rejoindre, après on va peut-être vous inviter, on va essayer de vous inviter, et puis voilà, tu vois. Donc les sauteurs, encore un dernier message pour vous, rejoignez la communauté que j'ai créée. Qui s'appelle soit Cool Mec Strike Pack uniquement. Voilà, Strike Pack uniquement. Rejoignez cette communauté pour faire un maximum de clés. Donc, le double de clés, je vous promets, le double de clés si on est des groupes de 6 par nuit. Donc, on fera deux fois plus de clés. Donc, c'est vraiment une astuce épique. Donc, voilà, on va essayer de se rejoindre tous comme ça. Et pour tous les Call of Duty, hein, Black Ops 3, IW et sûrement WW2, ça fonctionnera aussi. On va pouvoir gagner des trucs en illimité. Donc essayez vraiment de rejoindre la communauté. Je fais vraiment appel à vous parce que c'est grâce à vous que cette astuce est possible. C'est grâce à nous, c'est pas grâce aux profiteurs. Les profiteurs, il y en aura toujours. Donc les profiteurs, après, c'est à vous de rejoindre les communautés que j'ai créées pour essayer de rejoindre nos sessions, pour être au courant quand il y a une session de boost disponible. Donc voilà, nous on crée des sessions de boost à la base pour nous et après on peut vous inviter, mais voilà, on va pas vous inviter dans notre partie vocale, ça sert à rien d'essayer de rejoindre notre partie vocale, on vous expulsera directement et ça sert à rien d'essayer de me rejoindre pour me parler,
Souvent, je suis occupé, ça sert à rien. Voilà, si vous voulez me parler via Facebook, je réponds quand je peux, je réponds quand j'ai le temps. J'ai une vie aussi derrière, j'ai ma femme, j'ai des choses à faire. Donc voilà, et surtout à gérer tout ça, ça va me prendre un maximum de temps. Donc j'espère que cette explication aura été assez complète. J'espère que vous aurez regardé toute la vidéo si vous êtes un sauteur ou si vous êtes un profiteur pour bien essayer de comprendre les choses. Je sais que la vidéo a duré longtemps, c'est 30 minutes d'explication. Mais voilà, il le fallait, c'est une vidéo explicative à mort parce qu'il le fallait. J'espère que je me suis bien exprimé, j'espère que ça a bien été clair. Et voilà, j'espère que cette astuce et ce projet fonctionnera et se mettra bien en place. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Allez, ciao, ciao, peace. Yummy, bruh.